mais c'est quand même une machine. Ce Barça, surtout une machine à attaquer, à jouer très rapidement vers l'avant avec Yamal, avec Rafinha. C'était impressionnant, hein, franchement, notamment le match de Rafinha, bien sûr. Le quatrième but, pour moi, c'est y a tout, il y a le talent, là, le contre. L'ouverture, le contrôle, la frappe. Contrôle, la conduite de balle, la frappe, il y a tout, en fait. Mm. L'ouverture de Lamine Yamal, ouais, ça c'est ce pourquoi on regarde les matchs de foot, en vrai. Franchement, quand tu vois des gestes techniques comme ça, des actions collectives. Parce que ça va vite, hein. Et surtout contre le Bayern, qui ne faisait que mettre des fessées... au Barça. Ah, ça illustre bien aussi ce que Flick la tendance, ouais. est venu apporter au Barça depuis le début de la saison. Certes, il y a eu cette défaite à Monaco lors de la première journée, mais c'est quand même une machine, ce Barça, surtout une machine à attaquer, à jouer très rapidement vers l'avant avec Yamal, avec Rafinha. Et ce soir, je trouve que cette victoire, elle illustre parfaitement. Elle valorise d'autant mieux la victoire de Monaco contre le Barça en première journée aussi. Complètement, même s'ils avaient été à 10 longtemps. Mais ouais. Effectivement, et c'est vrai qu'ils se sont nourris des espaces laissés par la défense du Bayern, qui a l'habitude de jouer haut. Là, en plus, le scénario du match les a invités à vouloir rattraper au score et ils se sont régalés de ça. Et c'est vrai que Rafinha, je trouve, à une époque où on attend de plus en plus que les joueurs émergent extrêmement vite, se souvenir qu'il est passé par le championnat de France, par Rennes. Une année à Rennes. Il avait été bon, mais je veux dire, il n'était pas parti de suite à UFC Barcelone et son éclosion est à 27 ans. Il a été à Leeds United. Entre-temps, très bon. Entre-temps, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on se dit, s'ils n'ont pas éclos à 23 ans, au final, bon, c'est un bon joueur, il sera pas plus haut. Au final, là, c'est à 27 ans qu'il marque quasiment tous les week-ends, parce qu'en Liga, c'est la même chose aussi. Donc parfois, il faut être un peu patient aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours de se retrouver capitaine du Barça, effectivement. Capitaine. Après être passé par Rennes et par Leeds, même si certains sont passés par Leeds, ils s'en sont bien sortis, hein, mais c'est tant jamais. C'est l'homme du match, Rafinha, bien sûr. Oui. Et Jules Koundé en dit du bien au micro. En même temps, il ne va pas dire que l'inverse aurait été toi. Il a été bidon ce soir. Au micro de Guillaume Petzac, ben oui, mais écoutez, écoutons-le. Depuis le début de l'année, c'est un joueur qui a toujours tout donné pour le collectif, qui travaille énormément. Et on est très content pour lui qu'il soit récompensé en ayant ce genre de performance et surtout qu'il aide l'équipe à gagner. Et vous, à titre personnel, vous êtes maintenant un des meilleurs latéraux droits d'Europe, hein, on peut le dire, non? Ça, je vous laisserai vous faire votre opinion, mais c'est vrai que je prends du plaisir, je sens de la progression à chaque match et je me sens de plus en plus à l'aise, donc on va continuer sur cette lancée. Lui aussi a fait son trou, lui a fêté son 100e match sous les couleurs du Barça ce week-end en championnat. Une affiche formidable avec un Barça des grands soirs. Oui, et enfin, la fin d'un long tunnel de 6 matchs sans succès pour le FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions. La dernière victoire des Catalans face au Bérawa remontée à la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2015. Ouais, c'est une passe transversale, verticale de Yamal qui est puissante et il fait le bon contrôle pour l'emmener vers le but et il garde la vitesse, il garde la puissance malgré le retour de Upamecano. Pour revenir sur ce qu'on se disait en avant-match, vous parliez du tiki-taka barcelonais qui était toujours un petit peu dans la cuisine locale, mais là vous avez parlé de verticalité essentiellement, non ? Oui, effectivement. Donc, à la récupération, en tout cas, dès qu'on peut apporter la vitesse au jeu, donc on l'apporte du côté des hommes d'Hansi Flick. Ils ont un joueur, Rafinha, justement, qui prend plaisir à attaquer dans le dos des défenseurs, un dévoreur d'espace qui ne rechigne pas aussi donc à l'effort et qui est logiquement récompensé ce soir. Il y avait deux stratégies aussi sur un plan défensif, deux blocs qui jouent très haut. Côté Blaugrana, on joue vraiment leur jeu. Parfois, ça paraît basique, mais bien aligné, on joue leur jeu. Donc, c'est-à-dire que on évite d'avoir des courses justement donc à faire. En mettant l'adversaire en jeu. Côté bavarois, c'est l'inverse. On n'a pas toujours les qualités de vitesse, à l'exemple d'Upamecano, mais par contre, on décide de suivre l'attaquant. Et à chaque fois, on s'est fait piéger. Donc, c'est pas une même maîtrise, c'est un choix. C'est un choix pour de défense, mais force est de constater qu'il n'a pas fonctionné donc, côté bavarois, parce qu'ils n'ont pas les hommes pour, justement, avec les qualités de vitesse pour compenser ces déficits. Philippe, à la pause, on disait, voilà, réalisme presque parfait pour le Barça qui avait donc frappé 3 fois au but pour 3 buts inscrits. Sur la globalité de cette rencontre, qu'est-ce que vous dites de cette supériorité catalane? C'est une masterclass du Barça ou pas? Oui, ça a été quand même très très bien mené, très intelligent. Ils ont fait un match hyper intelligent et bien servi évidemment par ce réalisme. Ils ont fait un match hyper intelligent, ce qui fait que le Bayern a été complètement assommé. Ça, c'est un peu la différence avec, vous parliez tout à l'heure d'un match éliminatoire. Oui. À 3-1, le Bayern aurait commencé à se dire, bon, si on marque un but, ça peut permettre au match retour peut-être, etc. Là, bon, bah, à 3-1 et le quatrième est venu très vite, hein, je ne sais plus, 56e minute ou quelque chose 56, comme ça. 56, ouais. Oui, bon, à 4-1, c'est terminé. Bon,
bon, on arrête, on passe à la semaine prochaine, et puis voilà, on oublie, et puis on, les trois points sont acquis, et puis très bien, on n'en parle plus. Donc ce qui fait qu'en fait, il faut rester sur l'impression de la première période. C'est un match très bien maîtrisé par le Barça. Et la deuxième, finalement, le but de Rafinha a achevé le débat à la 56e. À 4-1, un peu avant l'heure de jeu, effectivement. On retourne au stade de Montjuïc avec Lilian Gatoun et Cédric Kanté. Messieurs, on disait avant match également que cette rencontre serait utile pour nous permettre de situer le Barça face à des grosses équipes comme le Bayern et bientôt le Real Madrid. L'examen a été passé avec grand succès pour cette équipe catalane. Oui, je crois que, évidemment, le résultat est assez probant, avec surtout une équipe d'Hansi Flick qui n'a pas renoncé à ses principes. Ce qui a été mis en place depuis le début de la saison, mais même quand on joue une équipe comme le Bayern Munich, leader de son championnat, une équipe qui peut faire peur, une équipe qui décide de jouer très très haut et qui a une armada offensive, eh bien on reste dans ses principes, dans ce pressing haut, dans cette faculté de mettre 10 joueurs dans la moitié de terrain adverse, d'aller faire ce pressing, des récupérations hautes, hein, puisque c'est la quatrième équipe en Europe à récupérer les ballons les plus hauts derrière des équipes comme Manchester City. Donc clairement, le Barça a réussi son examen en restant le Barça dans Hansi Flick. Ah oui, bah, c'est mention très bien. Félicitations du jury, tout ce que vous voulez, hein. Ils ont montré au bout de 30 secondes qu'ils n'allaient pas reculer, ils ont marqué au bout de 55 secondes et derrière ça a été maîtrisé. Alors oui, il y a eu du réalisme en première période, c'est un réalisme qu'ils ont provoqué parce que défensivement il y a un travail incroyable. On parle beaucoup de sa ligne défensive, de jouer haut, mais il y a ce qui se passe aussi dans la densité, dans le cœur du jeu, avec des joueurs offensifs qui sont les premiers défenseurs, un petit peu comme à l'époque quand ils dominaient l'Europe de la tête et des épaules. Donc c'est un peu ce retour de ce Barça-là, avec en plus cette arme de la profondeur. Donc c'est une équipe qui est redoutable. Moi, je les attendais au tournant sur un match comme aujourd'hui. Alors il y a nos tests qui arrivent rapidement, mais il va y avoir des tests un peu tout le temps cette saison. En tout cas, ils ont montré qu'ils étaient capables d'élever le niveau de jeu et de battre des équipes qui peut-être étaient plus fortes qu'elles au départ sur le papier. Parce qu'il y a effectivement cette domination tactique, en tout cas sur cette rencontre, cette première période. Mais Vikas, il y a aussi des... Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment très heureux de vous retrouver dans cette vidéo sous ce format. On va parler du match qui s'en vient très 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 rapidement ce week-end. Vraiment, on va se la donner. Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter ce week-end, ce samedi, au Santiago Bernabéu, avec ces deux matchs qui se sont joués en Champions League. 5-2 de la part du Real Madrid face à Dortmund. 4-1 de la part du FC Barcelone face au Bayern. Croyez-moi, ça va se passer très 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 fort ce week-end. Donc là, je reviens sur un avant-match, histoire de parler un peu de ce match-là qui, franchement, est attendu, surtout après ces deux matchs-là. Donc on parle légèrement, vite fait, de ces deux matchs-là. Real Madrid qui a souffert en première mi-temps, qui a été mené 2-0, mais qui est remonté. Vraiment, pour moi, c'est la faute du coach de Dortmund qui a eu peur et qui a fait un très mauvais changement. Mais n'empêche, les Madrilènes ont su remonter au score et ont su gagner ce match avec la manière, remonter 2 buts et marquer 3 buts après, soit un total de 5-2. Ça fallait quand même le faire. Donc bravo aux Madrilènes qui ont su renverser la tendance. Mais de l'autre côté, tu as FC Barcelone qui a eu un petit coup de mou pendant 20 minutes parce que franchement, le Bayern, c'est quand même le Bayern. Cette saison, on le voit en Bundesliga. Le Bayern, c'est pas n'importe qui. Donc, le Bayern qui s'est réellement donné à fond, malgré avoir encaissé un but à la première minute. Vous imaginez, toute première minute de jeu, ce Bayern a encaissé un but, mais a pu égaliser. Mais s'est fait tabasser, vraiment, surtout en deuxième mi-temps, avec un exploit, franchement, de Rafinha. Rafinha que voici. Très beau match de Rafinha. On a eu 2 triplés. Dans cette troisième journée par des Brésiliens, 3 buts de Vinicius Junior que voici et 3 buts de Rafinha que voilà. Donc comme vous imaginez, ça sera vraiment intense ce week-end. Franchement, je vois un très très gros match avec beaucoup de buts. Je serais surpris de voir un but avec un score cassos à la 0-0, à la 1-1, franchement, ou à la 1-0 même. Moi, je vois un match avec beaucoup de buts, au moins 3 buts dans le match. Et on en aura pour notre temps, sincèrement, et pour notre argent. Pour ceux qui investissent sur les plateformes pour regarder ces matchs-là, on en aura pour notre argent. Donc, vraiment, on attend ce match. Pour les pronos, franchement, je ne sais pas trop quel pronos je pourrais donner parce que vraiment, c'est un match, c'est un classico, donc c'est une finale. Les classicos sont toujours des finales dans la Liga. Donc,
comment pronostiquer, mais je vois vraiment un match très compliqué de la part des deux équipes. Mais à la fin, je vois quand même une victoire du Barça. Mais pas de beaucoup, hein, un but d'écart. Un but d'écart, je serais surpris, très surpris que ça se passait comme là avec le Bayern, avec un 2-3 buts d'écart. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je vois un match très très serré et une victoire à la fin du Barça. Parce que franchement, Hansi Flick est très très intelligent. Le mec, il te sort pratiquement des masterclass. Il a une vision du jeu incroyable. Il a su se remettre en question dans ce match face au Bayern, parce qu'il a vu que sa ligne défensive était beaucoup trop haute. Du coup, il a baissé de seulement quelques mètres et ça a tout changé. Le Bayern s'est fait acculer, s'est fait avoir et le Barça a gagné. Donc, je ne vois pas le Barça changer sa philosophie de jeu, mais s'adapter au fur et à mesure durant le match à son adversaire, que sont ces Madrilènes-là qui viendront certainement pour gagner ce match-là. C'est pour ça que moi, je vous dis, on aura affaire à un très, très, très gros match de la part des Barcelonais et des Madrilènes, parce que tous sont en forme. Les deux Brésiliens vont arriver avec une forme dantesque. Les deux Brésiliens, franchement, je les vois même marquer dans ce match-là. Donc, on s'attend à un très, très gros match. Et je crois que je m'arrêterai là pour cette vidéo. Sincèrement, merci. Merci pour tous ceux qui regardent la chaîne. Et je vous remercie vraiment du soutien. Je vous dis au revoir et on se voit très prochainement dans une autre vidéo. Mais pour ce samedi, soyez là. Soyez en forme parce que je vous le dis, ça va taper fort, ça va taper pour vivre. Et ce match-là, je m'y prépare parce que vraiment, il y aura de quoi dire après le match dans les débriefs. Donc, soyez là, je vous attends. Donc, abonne-toi, mets la cloche, like la vidéo, encourage-moi dans la chaîne et je t'assure que tu verras des débriefs de haute qualité. Ne regarde pas tout ça, nous ne sommes pas chez nous, donc du coup, on fait avec les moyens du bord. Mais sinon, on a beaucoup à dire par rapport à ces deux équipes durant cette année. Et encore, il y a un autre, le Paris Saint-Germain. Donc, j'espère que tu aimes cette vidéo. Abonne-toi, like, et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao, peace.